Action. 5 secondes là. Allez. Oh là là. Mais l'autre côté. T'as le droit de m'aider en fait. Ça marche. Voilà. Non, c'est bon. Non. Si, il est bien. Ah oui. Ouais. Et vous, pour changer vos enfants, vous faites comment? J'ai fait le choix de mettre en place les couches lavables dans les structures que j'ai créées. D'abord pour réduire la quantité, le volume de déchets, mais également pour la santé des enfants. Donc lors de l'ouverture de chacune des structures, une intervenante est venue former les équipes pour la mise en place des textiles lavables. Les parents sont plutôt curieux. Certaines familles font le choix d'utiliser les couches lavables, nous demandent conseil au niveau des matières à favoriser, au niveau de l'organisation dans leur quotidien et au niveau du stockage. Donc quand c'est possible, on répond à leurs questions, sinon on les oriente vers des associations qui possèdent des kits de prêt. On gagne de la place, ça évite de stocker des cartons et des cartons de couches jetables. On gagne également du temps. Et puis l'aspect économique et écologique est essentiel. Donc je pense qu'au sein des structures, ça va se développer de plus en plus au fil des années. Nous, on a utilisé les couches lavables principalement pour Gary, notre deuxième enfant. Et voilà, ça fait un an et ça va durer. On avait décidé de commencer dès la naissance avec des couches lavables et c'est ce qu'on utilise toujours maintenant. À partir du moment où on a un poste de change qui est très ergonomique, puisqu'on a réfléchi à la façon dont on organise les couches proches de la machine à laver, au final on lave les couches en même temps que notre linge quotidien. On avait calculé, je crois quand il avait 2 mois et demi, on avait déjà économisé 500 couches jetables. Sachant que les couches lavables, on peut les revendre. Et on a revendu celles qu'on avait achetées à l'origine avant d'emprunter celles du cyber. On passe maintenant par le contrat de location. Plutôt que d'être dans une recherche permanente de la meilleure couche jetable, voilà, la couche lavable, elle réunit tous les critères. Ouais. L'utilisation des couches lavables, à mon sens, c'est avant tout une affaire d'habitude. Vérité. Vérité pour changer. Non, moi j'ai 3 filles, effectivement. Bon, on s'est posé la question. C'est un chemin à faire, mais faut remettre le couvert.